Aujourd'hui avec Joël, on a décidé de goûter une partie des boissons dégueulasses qu'on peut trouver aux États-Unis. Après notre tour au Walmart, on a réussi à choper des trucs bien horribles et j'ai le sentiment que ça risque d'être bien marrant. Je suis avec mon gars Joël, ça va ou quoi frérot? Ça va très très bien, on est prêt pour manger, consommer pardon, pour boire toute cette toxicité américaine. T'as mis un petit durag là je vois. Exactement, je représente tous les N-word de Compton actuellement là. Alors, on a acheté plein de sodas différents au Walmart et une bonne partie que t'as choisi en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Alors, tu veux que je te montre ma sélection? Vas-y, vas-y, lequel te hype, lequel t'as envie de goûter, lequel tu penses va être dégueulasse? Déjà, celle-là, là. Parce que je casse tout. Celle-là, elle me fait penser à George Bush. Tu vois, c'est un vieux daron, mais apparemment, c'est le mec qui a créé cette boisson. Ensuite, cette boisson, je l'ai choisie parce qu'elle ressemble au shield dans Fortnite. Le petit Hawaiian Punch, le seul truc que j'ai envie de dire, vraiment, de ce qu'on va voir, c'est que je pense que tout va être tellement sucré, gros, ça va être un enfer. C'est pour ça que, sans critique, c'est pour ça que souvent les Américains sont un peu, on va dire, sont un peu très gros. Parce que, tu sais, ils ont beaucoup de boissons très, très sucrées. Et à celle-là, ça, c'est du root beer, c'est... Alors, les mecs, si vous voulez, je vais vous donner... Si vous voulez savoir, ça a le goût de quoi? Ça a le goût de coca, de Vix, de baume du tigre et de tigre et de lubrifiant. Voilà. Donc comme ça vous faites une idée. Et... Sinon moi je pense à ça. Du coup vous avez capté, on a pris plein de sodas qu'on retrouve pas en France. On va essayer de les goûter les uns après les autres. Et tu sais ce qu'on fait? On donne une note à chaque fois. On a essayé de faire en sorte de trouver des sodas qui ne sont pas présents en France. Tu veux commencer de quel côté? Vas-y, tu sais quoi, je te donne le premier call. Moi je veux commencer par George Bush. Écoutez hein, c'est une boisson moitié iced tea, moitié limonade. Avec le frérot et surtout Great Buy 99 centimes la canette de punk à chien. Je suis chaud. Mon gars Joël, à ton avis, ça a quelle couleur? C'est transparent? Jaune. Ouh là 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 là. Ça, c'est de la pisse quand t'as pas bu, tu t'es pas hydraté pendant longtemps, ça. On va essayer de goûter. La attends, tienne. Attends, avant, avant la tienne, regarde un petit peu. Wesh, on dirait les marécages. On goûte? Ouais. Santé? Vas-y. C'est bon. En fait. Ah, c'est pas bon. Moi, je trouve ça bon, mais c'est trop sucré. Ah, je trouve ça pas bon du tout. C'est frère. Du thé? Avec ouais une sorte de citronnade et très mais en fait avec le côté limonade je pensais que ça allait pétillant, je suis déçu frère. Non bah non c'est, vu que c'est de la raisonna, t'as vu, moi je me suis dit forcément c'était un truc sans gaz. Franchement niveau goût on dirait du thé qui a traîné. Ouais, vous voyez ce que je veux dire quand vous faites un thé vert et que vous le laissez refroidir pendant 8 heures là, tu sais, ouais. la tasse que t'as pas touché. Pratique peu courante mais ouais ouais. Non mais tu peux oublier un thé ouais. Et regoûter et ça a ce goût là. Donc c'est dégueulasse. Moi franchement je mitigé, je trouve pas ça. Tu mets quoi comme note? Ah, c'est un bon 6 sur 10 quand même. 6 sur 10? Ouais, parce que mais, moi je kiffe le sucre, mais là c'est abusé, ils ont trop mis. 4 sur 10 du côté de Zach, franchement, monsieur George Bush Fazer, t'as fait beaucoup de choses dans ta vie, ouais. Mais t'as pas fait une bonne boisson, je suis désolé. Alors en fait, écoute frérot, moi je vais être honnête avec toi, j'ai voulu depuis tout à l'heure essayer de réfléchir, de faire le mec, nana. On va aller direct dans le vif du sujet. Bien bleu là. La potion Fortnite Hawaiian Punch, regardez. Blueberry Typhoon, frère, on voit du kiwi. En fait, on ouais, voit ça, de la fraise. Il y a trop de fruits. C'est on voit de la ça. Framboise sur le truc. C'est immense. Malheureusement, en fait, si vous voulez, on a essayé à chaque fois d'essayer de prendre la plus petite quantité possible. Mais alors au Walmart, c'est ouais, soit tu bah, prenais 12 canettes, c'est ça, les quantités, c'est ça. C'est ça les plus petites quantités. Voilà. Tu pouvais pas prendre une petite. Ah ouais, génial. Tu pouvais pas prendre une petite bouteille, genre. Oh là 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 oh, là là là. Chimique, sa mère. Ça a la couleur vraiment du Powerade, mais je pense pas que ça a les mêmes vertus. Allez, c'est parti. Santé, mon gars. C'est ok, tire. Ça va. Ouais. Ouais, ça va. C'est ok, tire. En fait, ça manque de magie. T'es pas brusqué. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de goût marqué. Genre, franchement, attends, est-ce que tu sens le fruit, genre? Non, en fait, c'est une expérience, le truc. Je te promets. Ça, au goût de aucun fruit qu'ils ont mis sur... Et Dieu sait, il y a des fruits, non? Les menteurs. Regardez la couverture. Je peux vous assurer. Il y a 15 fruits. Ça a le goût de aucun des 15 fruits qu'ils ont mis. Il n'y a pas un fruit dans ces trucs, hein. Mais c'est mieux que déjà le truc avant. 5 sur 10. Ouais, 5. Ça, c'est un vrai, on part sur un vrai 4-5 sur 10. Moi, je mettrais 4 parce que c'est des menteurs. Il y en a certains, j'ai envie de goûter. Il y en a certains, ouais. J'ai peur. C'est quoi, hey, pitié, viens, on se le garde pour la fin, celui-là. Le root beer. Le root beer qui est censé être le plus dégueulasse, c'est pour la fin, les amis. Ouais, ouais. Vas-y, toi, tu veux laquelle, là? Cream soda. Ok, donc c'est sur un petit Dr Pepper. Alors ça, c'est un Dr Pepper. Ouais. C'est un petit peu classique, le Dr Pepper, donc il n'y a rien de ouf dessus. Mais il y a quand même un petit goût cream soda. Ouais. On a été déjà bu un peu parce qu'on est 5 pendant le voyage, donc vous doutez bien. Il y a déjà qui avaient soif, il y a déjà qui s'en foutaient de la vidéo. Ah ouais, il y en a, ils s'en battaient les couilles. T'aimes bien Dr Pepper de base ou pas? Ça va. Moi j'aime bien, moi. Moi je trouve pas ça dégueulasse. Le goût de cerise, je trouve ça stylé, tu vois. C'est pas le truc de fou. Mais en fait, c'est, faut se dire que là, c'est Dr Pepper et cream soda. Je sais pas si ça va être bon ou si ça va être un truc criminel. Mets un petit fond, s'il te plaît. Santé? Ouais. Ça sent Dr Pepper, là.
C'est pas mal. C'est pas ouf. En fait, c'est pas dégueulasse, mais est-ce que tu te vois taper une bouteille comme ça? Et normalement, une boisson, c'est un truc que tu dois, dans ta tête, tu dois dire « Ah, trop bon, j'ai envie de la finir ». Mais est-ce que tu te vois taper deux verres de ça? Putain, t'argumentes bien. Hein. En fait, c'est extrêmement chimique. Ouais. Et tu le vois, regardez, ici, c'est marqué « Naturally and artificially flavored ». Ouais. Donc ça veut vraiment dire, tu vois, que c'est un peu... Ils ont ça vient d'une expérience, le goût, tu vois, c'est... Tu peux kiffer un petit verre, mais deux verres de ça, c'est trop bizarre. Non, y a pas. Franchement, moi, je mets quand même 6 sur 10. Pareil, 6. 6 Sans faire 6 sur, ouais, voilà. C'est ma meilleure Parce note que pour l'instant. Parce que c'est pas infect, mais c'est pas ouf, et c'est pas un truc que tu te dis, waouh, trop bien, je vais en boire tout le temps. Un petit verre, franchement, ça dégoûte pas. Moi, j'ai envie de goûter ça parce que ça, le brisque iced tea. Alors, en fait, si vous voulez, le brisque, les amis, je crois que c'est un truc qui est surtout présent aux États-Unis. J'en ai jamais vu en Europe. Je crois que c'est vraiment un truc purement américain. Et là, pour le coup, on est sur du strawberry lemon. Donc, strawberry lemon fraise melon. Le packaging est bon. Ouais, j'ai bon espoir là. J'ai bon espoir, tu vois. Ça, franchement, ça a bonne gueule. Ça a pas l'air d'être immonde. En fait, c'est la couleur. Tu vois, ouais, la couleur est accueillante. Un peu rose, un peu sympa. Kim, tu vois, celle-là, là, on dirait trop de la lessive. C'est ça, celle-là, ça se voit, c'est n'importe quoi cette bouteille. Mais de toute façon, aux États-Unis, quand tu vois du jus, si tu vois que c'est une grosse bouteille comme ça, ça veut dire que c'est n'importe quoi. C'est un banger. Ça va. Moi, je trouve que c'est un banger. Moi, je trouve que c'est vraiment trop bon. Je lui mets 8 sur 10. Ah ouais, carrément. Ouais, 8 sur 10. Ouais. Moi, je mets 6. Ah ouais, moi, je trouve que c'est un vrai bon soda. Moi, je trouve ça ok tiers. Je sais pas, en fait c'est bon, mais il y a un arrière-goût qui me déplaît, j'arriverai pas à te dire c'est quoi. Il nous reste que quelques trucs avant le root beer qui a l'air dégueulasse. Vas-y, celle-là. Celle-là, on est sur un 7-Up, les amis. Alors oui, le 7-Up, on en a également en France. Mais c'est un 7-Up, en fait, je l'ai pris juste pour ça parce que il a un petit goût de citron vert. Citron vert. Ouais, c'est ça, citron vert. Donc le 7-Up a déjà un goût sympa à la base, mais alors version citron vert, je me suis dit que c'était cool de pouvoir essayer justement. Toi, t'aimes bien tout ce qui est 7-Up, Canada Dry, les trucs comme ça? Ouais, Canada Dry, un peu moins. Parce que tu sais, normalement, t'es censé avoir un petit goût de gingembre, je crois. Canada Dry, c'est des trucs de OG, tu ça. Tu te sens même pas bien, ouais. Ouais. C'est des boissons d'anciens, Canada Dry. Ça, vraiment, c'est les boissons des mecs bizarres qui boivent du Schweppes tonic tout court. Le Schweppes tonic, c'est une boisson de meurtrier, ça. Un peu déçu du goût. C'est naze. Ouais. C'est ultra sucré. En fait, en vrai, on dirait une version light bizarre. En fait, c'est sucré en moins sucré. Tu penses c'est le manque de caféine? Genre, c'est le fait qu'il n'y ait pas de caféine? Possible. Décevant. C'est pas bon. T'aimes vraiment pas? Ah, c'est pas bon. Vraiment. Ah, c'est une dinguerie. En fait, c'est pas dégueu. En fait, c'est pas dégueulasse, mais genre, tu bois ça, t'es pas. On dirait du Schweppes tonique, justement, avec un peu de sucre et un peu de citron. Ah, 4 sur 10. Ouais, 4. 4 3-4, c'est pas bon. 3-4, ça, c'est une petite canette. C'est Alani Berry Pop. Alors, en fait, si vous voulez, le packaging a l'air vraiment bon. Et dessus, c'est marqué Addison Rae. Et c'est qui Addison Rae? C'est pas une chanteuse, un truc comme ça? La petite Addison Rae Berry Pop, je me suis dit ça, c'est une sorte de petite marque kawaii, tu vois, un petit truc tout mignon comme ça. Alors Addison Rae, c'est 40 millions sur Instagram. Hein. C'est qui cette folle? Attends. Eh bah écoute, on va goûter sa boisson, peut-être que ce sera le banger. Vas-y. Franchement, j'espère que ce sera le banger. Ah. Sacré Addison. Oh là là, la couleur. Oh la couleur. Oh la couleur. Oh la couleur. On dirait du dissolvant. Je suis curieux. J'aime bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, c'est très sucré. C'est très sucré. C'est très sucré, mais c'est bon. Arrête. Non, j'y crois pas. De quoi? C'est marqué zéro sucre. Les Américains, ils sont pas à un mensonge près, hein, je peux te le dire. Ah ouais, regarde, c'est écrit zéro sugar. Ah ouais? Ouais. Joël, ouais. Il reste 3 boissons. 2 qui ont l'air vraiment ignobles et une qui a l'air correcte, c'est ton call. On a dit qu'on gardait la route bière, donc là, t'as le choix entre lessive et celle qui a l'air peut-être à peu près correcte. Allez. Tu veux qu'on finisse en dégueu? Oh, on va finir en dégueu. Finissons en dégueulasse. Pitié, j'espère que à l'image, ça va me ressortir parce que la couleur, elle donne pas envie. Vraiment. C'est du Splash Berry Blend. Il y a quoi, 25% de quoi? De sucre en moins? 25% de sucre en moins, exactement. Berry Flavored Juice Beverage with a 5% Juice Blend from Concentrate. Bon, bref, la grosse merde, mais en tout cas... voilà. Des menteurs. Dessus, il y a plein de fruits, voilà, il y a de la framboise, il y a l'air d'y avoir plein de trucs. J'aime bien mélanger de la merde. On dirait que là, il y a de la fraise, de la mangue. Bah écoute, on va goûter tout ça. En tout cas, la couleur, elle est bien. Elle est pas bien. Comme l'autre, là où l'autre, c'est vraiment du tide, tu vois, genre ça a l'air un peu mieux. Ça sent le laboratoire. Non, gros, ça sent le laboratoire. Non, en fait, ce qui me fume, c'est que c'est un rouge transparent, on voit le fond. Ouais. Santé. Ouais. Ça sent le sirop médicamenteux. C'est dégueulasse.
Ah, sa mère. Non, c'est trop dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, en gros, ça a pas de goût. Ça a pas de goût. Y a pas de sucre. Tu sais, parce que quand ça a pas de goût, tu peux compenser avec du sucre. Il y a une sorte d'arrière-goût horrible. Pour ceux qui font de la musculation, ça a le goût du pré-workout. Voilà. Et vous savez que c'est dégueulasse. C'est horrible. Je préfère croquer dans une clope que de boire un verre de ça. C'est dégueulasse, ça. Je préfère boire l'eau des chiottes. Hein. Moi, c'est 2 sur 10. Oh, moi, c'est 3. Ouais, j'allais dire 3, mais vas-y, 3. 3. Bah là, il nous reste 2 champions. Et ouais, on va passer à la lessive. Le Tampico. Mais ça se voit trop. Le Tampico Tropical Punch. Ça, c'est l'équivalent des boissons Lidl aux États-Unis, tu vois. Regardez-moi cette putain d'horreur. Il y a de la cerise, il y a de l'orange, il y a de l'ananas. Franchement. Ouais, non. Ouais, tu te sers des grands verres, toi aussi. Non, mais attends. Sans l'odeur, frère. Ouais, ça sent l'ananas, mais si ça sent chimique. Ça c'est les boissons qui sont faites dans les raffineries de pétrole. Ah ouais, ouais, ça. Ouais, non, mais ça c'est fait dans le laboratoire. Avec, ouais. Avec les grèves totales, ouais. En France, tu le trouves. Là, tu mets ça dans une caisse, ça roule. Santé. Vas-y. C'est moins pire que ce que j'attendais. Ouais, moi aussi. Oh, pas agréable, on va pas pousser. On a trop mal parlé. Mais en fait, l'eau, ça pue, ça a l'air chelou, mais c'est plus agréable à boire, c'est plus épais. Ouais, c'est consistant, plus, c'est consistant. Ça reste pas ouf. Non, mais c'est vraiment pas ouf. C'est pas la folie, mais ça va. Ouais, ça va, ça glisse. Franchement, ouais. Un petit, vraiment, 5 sur 10, la moyenne. Ouais, pas... Ouais. Pas bien plus, c'est pas agréable non plus. 4. Ouais. Plus 5, ça veut dire que... Ça va, mais là... Dis-toi qu'on a pas mis de très bonnes notes. Hein. Je crois que moi, ma meilleure note, c'est le 8 et c'était le brisque, je crois. Parce qu'en fait, ils sont vraiment... Les Américains, excusez-moi, ils puent vraiment... En termes... De bouffe, de trucs, de plein de trucs, il pue la merde. Mais vraiment. Et arrive le moment de vérité. Celui de la boisson qu'on a essayé d'esquiver, ça a l'air dégueulasse. C'est écrit no caféine. Ouais. C'est de la root beer produite depuis 1919. C'est eux qui le disent sur le packaging, ça fait 103 ans que ça existe. Qui produisent de la merde. Alors vas-y. Quelle longévité. Toi, tu m'as dit que tu connaissais déjà. Parle-nous-en. On dirait du médicament avec du coca, c'est bourré de sucre. T'as dit, ça avait un goût de lubrifiant quand même. C'est un goût de Vix. Vix Vaporub. Ouais, mais j'arrive pas à t'expliquer, j'ai jamais consommé de Vix, mais hey, faut que tu en boire. C'est un goût trop bizarre. C'est... Tu vois l'odeur? T'as vu, c'est vrai, je t'ai dit. T'as vu comment ça sent? Les amis, tu sais quand t'es malade et que tu mets du Vix Vaporub sous les pieds pour que ça ouvre? Ouais. C'est cette odeur-là. Bien sûr, c'est un goût. C'est l'odeur du Vix Vaporub, gros. Attends. Mais ce n'est pas une blague quand il y a du Vix. Ouais, c'est dit, ça sent, on dirait du médicament. Ça sent le Vix de fou. Les gars, c'est la dernière boisson de cette vidéo. On a goûté des horreurs. Je pense vraiment qu'il y a un moment où on recrache la boisson. Je suis très sérieux. Oh. Bah écoute, santé. Non, ça va, je recrache pas. Non, c'est trop dégueulasse. Oh, la vie de ma mère. Oh, l'arrière-goût, je comprends pourquoi t'as dit lubrifiant. Ouais. Ça va? Non, c'est dégueulasse. En fait, t'as l'impression que c'est... Je sais pas, ta langue est anesthésiée. T'as un goût de caramel, de médicaments, de menthe, de baume. C'est trop horrible. En fait, c'est... Non, c'est mort. En tout cas, c'est bien dégueulasse. Et je pense que ça vient conclure ça gentiment. Tu mets quoi comme note? 1 sur 10. Parce que, en fait, moi, la question... Moi, franchement, j'avais été honnête, je pensais à ça aussi. Comment... Moi, c'est la question... Vraiment, après, je sais qu'on a tous des goûts différents. Comment tu peux prendre du plaisir à boire ça, en fait? Il n'y a aucun plaisir. C'est une boisson d'assassin. À la fin, t'as vraiment l'impression d'avoir eu le gel d'une capote dans la gorge. Comment tu sais... Comment tu là, toi? Tu poses trop de questions. Mais surtout, moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par un truc. Comment tu sais ça, hey, toi? De poser des questions, toi. Non, en réalité, moi, tu sais, c'est quoi qui me fascine, gros? C'est la longévité. Moi, ce qui me fascine, c'est ce que tu viens de dire. Mais frère, sur une capote, c'est du lubrifiant. T'es le premier à avoir dit ça a un goût de lubrifiant. Donc, c'est littéralement la chose. Au final, le truc que t'as préféré, c'est quoi? Moi, c'est bien celui-ci. Hein. En vrai. Putain, c'était tout éclaté les boissons. Elles étaient toutes nulles. C'est un truc de fou. Ouais, je pense que c'était potentiellement ça la meilleure boisson. Eh bah écoutez les amis, le brisque a gagné notre petit jeu, ok? Et le reste était vraiment pas ouf. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. On avait envie de faire un autre épisode, mais sur des gâteaux. Genre, on a vu qu'ils faisaient des Kit Kat fraises chocolat, blueberry, des sortes de... thé vert. Ouais, ou thé vert et tout, des sortes de goûts horribles. On s'était dit, ce serait cool de peut-être refaire une vidéo dégustation où on tente des snacks comme ça à la con. Si ça, vous avez kiffé le premier épisode, bah vous dites et on essayera de vous en faire un deuxième avec grand plaisir pendant qu'on est aux États-Unis. Merci à Joël et à sa chaîne qui est dans la description. Et on vous dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.